Nous, Quimpéroises et Quimpérois, sommes soucieux du bien-vivre dans notre belle ville. La décennie qui vient sera cruciale pour l'humanité et pour l'avenir de la planète. Selon les experts du GIEC, il est nécessaire, pour rester à 1,5 degré de réchauffement, de réduire de 45% les émissions de CO2 d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2010. Seul moyen d'espérer une neutralité carbone en 2050. La transition écologique, si elle a besoin d'engagements internationaux et nationaux et d'interventions de la puissance publique, se réalisera d'abord à l'échelle locale. Le prochain mandat municipal sera donc important au regard de l'urgence climatique et sociale. 60 associations environnementales et sociales souhaitent un engagement des futurs maires. À cet effet, elles ont rédigé un pacte pour la transition environnementale, sociale et citoyenne qu'elles veulent soumettre aux candidats du futur scrutin municipal. Une façon aussi pour elles d'avancer des mesures concrètes pour les communes. Pennarweb, notre association, a soumis 7 des 32 mesures proposées par ce pacte aux listes candidates aux élections municipales 2020 de Quimper. L'objectif, c'est d'interviewer ces listes et de réaliser une vidéo pour chacune de ces 7 mesures comportant les avis de ces listes et de les diffuser sur Internet, afin que les Quimperoises et les Quimperois puissent se faire une idée sur le positionnement des candidates et candidats dans les domaines de l'énergie, du numérique, de la bio, de l'eau, des transports, des mobilités actives et de la valorisation des déchets.